Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sam Echtein, comment tu vas? Je voudrais vous donner ma lecture de l'affaire Fekafuk Minsep. Cette histoire rocambolesante. Ah, il y a un fond sonore qui n'est pas bon. Donc, je vais essayer de me déplacer. Je vais essayer de me déplacer. Je suis dans un aéroport là. Je vais essayer de me déplacer. J'espère que je serai plus au calme. Ici. Alors, il faut me dire, est-ce que là, il y a toujours le même fond sonore? Ok, bravo, merci, merci, merci pour cette contribution. Ok, je voudrais un peu partager avec vous mon sentiment sur cette affaire hallucinante, abracadabrantesque, pour utiliser l'expression de l'ancien président français Jacques Chirac, abracadabrantesque. Jamais vu, inédit dans les annales du football camerounais, du sport camerounais, de la vie camerounaise et même de la vie mondiale, parce que aussi lointain que nous pouvons pousser nos souvenirs, il n'y a jamais eu dans les rapports entre une fédération et sa tutelle un tel conflit ouvert où ça tire à balles réelles. Jamais. Que ce soit les fédérations sous tutelle financière perfusée, que des fédérations qui ont quand même une certaine autonomie. Et donc, qui dit autonomie financière dit quand même une certaine indépendance de gestion. J'entends par exemple la Fédération française de football, qui n'est pas perfusée par le ministère français des sports, mais qui a quand même le ministère qui a un regard sur ce qui se passe à la Fédération française de football, de enfin, toutes les fédérations. Et dans des pays où le sport finalement ne s'autofinance pas, où les rapports sont beaucoup plus étroits, plus tenus, on a quand même vu des ministères finalement s'immiscer dans la gestion des fédérations sans qu'il n'y ait autant de vagues que maintenant. Et le ministère, la Fédération camerounaise de football n'a jamais été aussi dépendante de la tutelle du ministère, donc de l'État, que maintenant. Je me répète, la Fédération camerounaise de football n'a jamais été aussi dépendante financièrement de la tutelle de l'État que maintenant. La Fédération n'a jamais autant bénéficié de la perfusion
car d'ailleurs, le Cameroun est déjà allé à plusieurs Coupes du Monde. 1982, on a été. 1990, on a été. 1994, on a été. 1998, on a été. 2010, on a été. Et d'ailleurs, après 98, il y a d'abord eu 2002, on a été. 2010, on a été. 2018, on a été. 2014, on a été. Et 2022. 1982 en Espagne, 90 en Italie, 94 aux États-Unis, 98 en France, 2002 Corée, Afrique du Sud, Japon, ça c'est en 2002, 2010 Afrique du Sud, 2014 au Brésil, 2018, non, on n'a pas été, ça c'était en 2018, je pense que c'était la Russie, non, donc 2014, et puis 2022 au Qatar. Mais l'équipe nationale du Cameroun n'a pas eu un prêt de l'État, 2,7 milliards. L'équipe nationale n'a pas eu un prêt de l'État. Maintenant, quand on regarde les affaires qui ont amené la Fédération camerounaise de football dans les juridictions internationales, pour d'un côté rupture abusive de contrat de concession, où le Cameroun doit débourser, je crois, au moins 1 milliard, si je ne m'abuse, affaire One World Sport et le coq sportif, où on doit débourser des milliards, et tout ça, c'est le contribuable camerounais, c'est l'État qui passe à la caisse. Ce n'est pas la fédération qui n'a pas de l'argent a priori. Donc, sous l'ère du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, l'État camerounais a dépensé et dépense beaucoup plus d'argent qu'il n'a dépensé sous l'ère des autres présidents ou à la période de la normalisation. Alors, on s'étonnerait de savoir qu'est-ce qui peut justifier une telle velléité de dépendance dans la gestion des affaires, une telle nécessité de s'affranchir de la tutelle, comme ça n'a jamais été le cas par le passé. Alors que elle a une telle dépendance financière. Sylvain Cantona, tu me demandes, la FECAFOOT est dans les juridictions depuis quand? Très bonne question. La Fédération camerounaise de football est dans les juridictions, donc je pense que tu veux parler des procès, des procédures et tout, depuis longtemps. Ça n'a pas commencé en 2021 avec l'arrivée du nouvel exécutif. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je parle de la concentration des procédures, des procès, la concentration et les dommages et intérêts que réclame donc la partie plaignante à la Fédération camerounaise de football. Il n'y a pas une telle concentration que maintenant. Quand même, on a deux affaires qu'on aurait pu éviter, c'est-à-dire qu'on sait ça haut, ça aurait pu être évité, ça aurait pu être joué plus intelligemment que ça,
Par exemple, quelqu'un m'a dit, écoute, dans le contrat, on demandait à Conseil Sao d'être résident au Cameroun. Il n'avait qu'à démontrer qu'il est vraiment résident au Cameroun de manière effective. Et que ça, déjà, c'est une raison de rompre un contrat. Voilà. Mais au lieu de ça, on a juste voulu faire les fiers en fait disant, bah, écoute, non, on ne le veut plus parce que non seulement il n'est pas bon, il n'a pas de résultat, mais en plus, il faut maintenant que le banc de tout soit nationalisé. Voilà. Mais ça, ce n'est pas marqué dans un contrat. Et donc ça vous vaut justement de passer à la caisse. One All Sports et le corps sportif. Là quand même, je crois que tout le monde va être d'accord que ça a été mal géré. Et que ce One All Sports d'ailleurs, qui nous a promis mon et merveille, on n'a rien vu et les comptes ne sont pas donnés. Alors, Sam Einstein, tu me demandes comment as-tu fait pour soutenir la candidature du Bossu? Quelqu'un te dit qu'il ne prendra pas de salaire. Tu n'as pas trouvé ça suspect? La FECAFOOT est une question de vie ou de mort pour lui. Il lui fallait cette FECAFOOT pour se refaire une santé financière. Toute personne qui a essayé de le dissuader, il voulait en découdre. Demandez à Gilbert Kadji. Sam, c'est très bien que tu en parles, mais tu sais, je suis en train de glaner des informations assez pertinentes sur, effectivement, la question de savoir le Bossu, comme tu l'appelles. A-t-il de l'argent, n'a-t-il pas de l'argent, milliardaire, pas milliardaire, pour quel objectif il est venu là à la fédération, est-ce qu'il a l'argent dont on dit qu'il l'a, parce qu'il en a glané beaucoup. Oui, je suis sur une piste sérieuse pour comprendre tout ça, parce qu'il est important de savoir à qui nous faisons confiance. Il est important que le peuple soit au courant des tenants et des aboutissants, les dits et les non-dits de la vie de toute personne qui aspire à gérer la fortune publique. Car la Fédération Camerounaise de football, c'est une entité, je dirais publique parce que c'est une association, certes privée, mais d'utilité publique et qui gère le patrimoine national. Donc, on ne devrait pas confier les clés de la boutique à n'importe qui. Fût-il le plus grand footballeur de tous les temps et du monde entier. Donc, je suis sur des pistes et on en parlera. Ce sera l'objet de communication et peut-être même d'un livre. Mais ici, là, je veux déjà rappeler que quand tu dis tu as voté le Bossu, non, je n'ai pas voté. Je ne pouvais même pas voter parce que vous savez que l'élection à la présidence de la fédération, c'est une élection un peu particulière qui n'est pas à la portée du public, du peuple. Il faut être électeur et les électeurs, c'est des présidents des clubs. Je vous dis ça, mais à l'époque, je n'étais pas président de club. Moi, je suis devenu président d'un club de football à la faveur justement de son élection. Donc je n'ai pas participé à cette élection-là. Mais je reconnais que je lui ai accordé, comme beaucoup de Camerounais, le bénéfice du doute et son parcours et son discours plaidaient pour qu'on lui fasse confiance. Mais cette confiance, je l'ai rapidement retirée, une fois déjà dans la maison FECAFOOT, en tant que président, en voyant comment est-ce que ça fonctionne. Et quand je dis en voyant comment ça fonctionne, de l'intérieur, la gestion des taux de la Fédération Camerounaise de football, la gestion, ce que vous ne voyez pas, pas les histoires de que on voit le public dans les stades, on voit ceci, non, à l'intérieur, comment c'est géré. Eto'o est le produit de son milieu, c'est-à-dire un milieu voyou, un milieu de mafia, un milieu
de cooptation, un milieu de je te donne, tu me donnes, je te tiens, tu me tiens et tout. C'est de ça. Il est né dans ça. Il a grandi dans ça. Ce n'est pas possible qu'il fasse autrement que comme ça se fait là-bas. On le sait, vous le savez, mais vous tournez le dos. Moi, je ne comprends pas le peuple camerounais. Et je dis encore que, très honnêtement, je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Je n'en ai rien à cirer. Je n'ai rien contre lui. Il a été un grand footballeur. Il nous a fait vibrer et tout. Mais c'est tant mieux et c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la gestion de notre fierté, de notre patrimoine. C'est de ça qu'on parle. Et que si c'est bien géré, je serai le premier supporter. Mais est-ce que c'est bien géré? Mais le propos ici, ce n'est même pas de savoir si c'est bien géré. Moi ici, le sujet de base, c'est de savoir pourquoi quelqu'un qui a une telle dépendance au régime qui nous gouverne, qui gère notre bien commun, qu'est-ce qui peut expliquer que Eto'o soit dans un combat frontal avec sa tutelle, avec ses patrons, avec son régime qu'il supporte? Parce que nous avons tous entendu M. Paul Biya dire le 10 février que ce n'est pas bon, que la FECAFOOT est mal gérée et que le ministère de tutelle va reprendre les choses en main. On a tous entendu ça. Ne faisons pas la mauvaise foi. On a tous entendu ça. Si c'était un communiqué lu, signé sous haute instruction, on allait tous dire que c'est faux. Mais là, ce n'était pas les hautes instructions. C'était le visage et la voix de M. Paul Biya qu'on a entendu. Le créateur de toutes les créatures, parmi lesquelles M. Samuel Eto'o, qui nous a dit en 2018 que c'est grâce à lui que je suis. Il est quoi? Il est footballeur. Il a été un grand footballeur. Il nous dit que c'est grâce à Paul Biya. Donc, Paul Biya est son créateur, comme il est le créateur de Famine Dongo, comme il est le créateur de Baboke, comme il est le créateur d'Atanganji, comme il est le créateur de Ngongo. Et c'est pour ça que il est dans tous les bons coups du régime. Il est dans tous les bons coups du régime parce qu'il est la créature du créateur. Et moi, je veux donc qu'on m'explique depuis quand une créature du créateur a déjà posé un tel affront au créateur. Depuis quand? Depuis quand un produit du système Paul Biya a, de manière officielle, en Mondovision, en prenant le monde entier à tout le monde, a bravé les recommandations qu'on appelle les hautes instructions de M. Paul Biya? Parce qu'on va me dire, oh, c'est pas des hautes instructions, ce n'est pas lui, machin, truc et tout. Paul Biya n'entend pas. Il ne voit pas. Vous voulez dire qu'il ne voit pas ce qui se passe? Il n'est pas au courant. Même s'il passe maintenant les deux tiers de son temps à dormir, le tiers de temps où il est éveillé, sa femme ne lui rapporte pas que du don. On est en train de déranger ton fils. Hein, ton autre fils là lui dit que haute instruction, alors que tu n'as rien dit.
Et Pobia ne siffle pas la fin de la récréation. Il ne fait pas appeler le moustachu. Pour dire au moustachu, pourquoi tu déranges l'enfant là? Laisse-le. Bon, accordons-lui encore un souci. Laisse-le nommer son staff. Laisse-le machin, laisse-le faire son truc, on va voir après. Je vais répondre à vos commentaires tout à l'heure là. Ma soeur, la beauté c'est que tu vois là. C'est une petite potion là. Je vais t'envoyer, ça t'inquiète. D'ailleurs, j'arrive là à Paris. J'arrive à Paris, on se voit, je te donne le truc là parce que les petits sont nerveux aussi là dehors. Donc, ils nous prennent tous les bons dossiers. Donc, on est obligé de. Tu vois un peu. Et ma couche chérie. Donc, vous voulez me dire que Paul Biakon a entendu le 10 février. Qui a parlé, on a tous entendu. Sa créature. Quelqu'un qui l'a fabriqué. Quelqu'un qui, si lui pour lui, ne voulait pas de lui. S'il n'avait pas l'onction de Paul Biya, Etoffi ne serait jamais présent pour la Fédération Camerounaise de football. Puisqu'il ne remplit pas les conditions. On dit qu'il a un passeport espagnol. Il n'a jamais été président d'un club de football au Cameroun. C'est pas parce qu'il a joué au football. Il y a des grands footballeurs camerounais qui ont voulu prendre l'affaire là, ils n'ont pas pu prendre. Et je rappelle que Ben Joseph Antoine a eu une carrière stratosphérique. Stratosphérique. On va tout dire, il a été capitaine de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille de Bernard Dabi. Faut le faire. Titulaire à Bordeaux. Il a voulu prendre l'affaire là. On lui a fait le cori. Or, lui, il avait même créé son petit club là et tout. Il a été président d'un club. On peut dire qu'il remplissait cette condition là. Il n'a pas pris. Et tu as vu qu'on lui donne tout. Donc, on sait que. Il a eu la bénédiction de leur créateur. Mais il s'oppose au discours du créateur qui a dit le ministère, vous reprenez l'affaire. Et le ministère s'est basé donc sur une convention signée entre les deux parties pour récupérer le dossier Fekafoot et gérer ça. Et tout dit que non. Tu ne peux pas. Et Eto'o refuse. Donc Eto'o refuse de suivre les instructions du chef de l'État. Jusqu'à preuve de contraire, apportez-nous la preuve que Paul Biya n'a pas donné la recommandation au ministère des Sports de faire le taf. Apportez-nous les preuves du contraire. Nous, ce que nous avons jusque-là, c'est le discours du 10 février. On l'a tous entendu. Deuxièmement, depuis que l'affaire fait du grand bruit dans le monde entier, Paul Biya ne dit rien. Qui ne dit rien consent, ça veut dire que il a le moustachu à l'aval de Paul Biya. Mais quelqu'un qui est donc dépendant du régime en termes financiers qui a des dettes vis-à-vis de l'État camerounais de 2,7 milliards plus les affaires au tribunal perdues par le Cameroun du fait de son entêtement à faire comme il veut. Ça fragilise n'importe quelle créature. Et dans un contexte camerounais où on vous dit abonné absent à ce numéro,
Ça, c'est la créature par excellence de M. Paul Biya, Famine Dongo. Abonné absent à ce numéro. Donc, vous me dire que même Famine Dongo, qui est quand même un classique du pouvoir, qui est abonné absent dans la contestation des nouvelles instructions, des hautes instructions. Vous voulez me dire que Paul Eto, lui, va aller contester. On aurait pu dire que non, il comptait parce que il compte sur la FIFA. Qu'est-ce que la FIFA a dit? La FIFA nous a dit que c'est toi-même qui t'es attaché les mains. Tu es allé céder tes prérogatives par le biais d'une convention mal ficelée. Donc, va négocier la modification de cette convention. Une fois que c'est dit, ça veut dire que la FIFA reconnaît que le moustachu est dans son droit sur la base d'une convention signée. Mais que parce qu'elle n'est pas bonne, il demande qu'elle soit renégociée. Mais la renégociation, la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que ce qui est déjà fait par la fédération, par le ministère, et tant que la convention n'est pas modifiée, est valable. Donc, Eto ne peut donc pas s'appuyer sur la FIFA pour contester les hautes instructions. Mais il le fait. Il continue à le faire. Même quand il va au tribunal, la chambre arbitral de je sais pas trop comment ils appellent leurs histoires du CNO. Il va là-bas. Et il va là-bas parce que c'est une chambre arbitrale reconnue par le comité olympique camerounais. Or, la fédération camerounaise de football est, comme toutes les associations, affiliée au comité olympique. Donc, c'est une instance juridique qui est légale et que la fédération a reconnu, et d'ailleurs, qui a souvent aidé la fédération, d'après ce que j'ai compris, à faire passer des forfaitures. Et toi, aller là-bas pour plaider non coupable dans la contestation de l'association de ces clubs apparemment non reconnus par la FECAFO parce que exclu une soixantaine. Bon, déjà, excusez-moi, moi je ne savais pas que M. Eto venait là pour diviser, je pensais qu'il venait pour rassembler. Donc tu exclus une soixantaine de clubs. Sur quelle base? Qui a jugé ça? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dans un contexte aussi précaire que le football camerounais, comment tu peux donc exclure une soixantaine? Et puis, quand on va même voir les gens qu'on exclut, ceux qu'on n'exclut pas, Opopo. Opopo n'est pas exclu. Jusqu'à Opopo a même gagné le championnat camerounais. Opopo. Opopo Dumbro, l'homme des coups de fil. Celui qui rentre sur le terrain pour ôter un match. Lui, il est là. Mais les clubs sont exclus. Il est donc allé à cette fédération, à cette audience, dans la chambre qu'ils appellent CCA, je pense. Et là-bas, ses conseils ont plaidé non coupable. Ils ont plaidé non coupable. Ils sont venus dire que non, on a le droit, machin, truc, c'est nous, et tout ça. Au lieu de plaider l'irrecevabilité du dossier adverse, au lieu de dire que non, pour telle ou telle raison, comme ils ont évoqué après, ce dossier-là, vous ne pouvez pas l'arbitrer. C'est pas ce qu'ils ont fait. Pour qu'après,
que cette chambre arbitrale ait donné sa sentence, c'est-à-dire suspension avec effet immédiat du staff nommé par le comité d'urgence de la FECAFOOT. La FECAFOOT se pond donc en communiqué balancé dans les réseaux sociaux adressé au comité olympique camerounais pour faire comme au quartier, c'est-à-dire insulter, soupçonner, diffamer, dire que vous n'avez même pas de légitimité parce que cette affaire ne devait pas être introduite qu'à déposer hors délai de 3 jours. Parce que apparemment, les plaignants avaient 3 jours pour contester. Et ils ont contesté 6 jours après. Mais Abdourahmane Baba nous a expliqué dans son intervention dans les médias, il nous expliquait que ils n'ont pas déposé dans les délais parce que à la fédération, ils ont fait comme on fait au quartier. C'est-à-dire, ils ont fermé l'accès à la fédération aux huissiers de la partie plaignante qui ne pouvaient donc pas déposer leur plainte parce que les bureaux étaient fermés volontairement. Ça, c'est l'argument de la partie adverse. Mais que, parce qu'un huissier a cette autorité judiciaire pour prouver la véracité d'un fait. Et avec apparemment des images, des photos qu'ils ont prises et tout, les juges ont constaté qu'ils ont refusé de prendre parce qu'ils ont refusé l'accès, parce qu'ils ont fermé, enfin, je n'ai pas très bien compris l'histoire. Mais bon, ça, c'est ce que Abdourahmane dit. Les autres disent que non, vous n'êtes pas déposé dans les délais. Mais en réalité, ce que nous, nous devons savoir et nous devons comprendre, c'est que si c'est le cas, quand vous partez, vous envoyez même vos conseils. Mais vous envoyez vos conseils pour ce jour-là plaider le fait que votre affaire n'est pas recevable. Parce que vous avez déposé hors délai. Et que deuxièmement, les gens même qui déposent plainte sont dans l'illégalité. Parce qu'on ne les reconnaît pas. Ils ne sont pas affiliés à la FECAFOOT. Ou du moins, ils ont été suspendus. Et quelqu'un de suspendu perd ses droits, ne peut pas. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont plaidé, d'après ce qu'on a compris. Vous ne pouvez donc pas venir plaider une chose. Et quand le juge, parce que les juges jugent une affaire sur la base des plaideries, quels sont vos arguments? Vous demandez quoi? Mais si vous ne demandez pas l'irrecevabilité d'une plainte, si ce n'est pas ça que vous plaidez, mais après, ne reprochez pas au tribunal d'avoir jugé l'affaire autrement que le fait de demander a posteriori l'irrecevabilité. Et en plus, comme on l'a aussi compris, c'est que, enfin on le sait, toute décision de justice est contestable. Toute décision de justice est contestable. Et il y a des voies de recours. Et ces voies de recours-là, en l'occurrence, c'est d'aller au TAS, tribunal arbitral du sport, en Suisse, vous allez au TAS. Mais au lieu de ça, et pour aller au TAS, vous n'avez pas besoin de faire de bruit. Au lieu de ça, suivez un peu hein, ma démonstration, je vais vous amener pourquoi je dis que Eto'o est en campagne présidentielle à la faveur de Paul Biya. Suivez bien ma démonstration. Eto'o est en campagne présidentielle à la faveur de Paul Biya. Il a juste décidé d'adopter une autre approche que celle de 2018. Donc, au lieu d'aller au TAS pour contester la décision
du CCA de Yaoundé. La bande d'Eto'o se fend en une lettre qu'ils mettent sur les réseaux sociaux où ils accusent une entité qui n'a rien à voir avec. Le président du comité olympique camerounais, Kalba, quelque chose. On lui reproche donc d'avoir un parti pris dans cette histoire. Pourquoi? Parce que on sait que ça va faire du buzz. Ça va faire du buzz. Alors, il y a une dame qui peint à côté. Je pense qu'elle doit peut-être perturber un peu. Donc, on sait que ça va faire du buzz. Et ça a fait du buzz. Et on repart sur un autre feuilleton d'un duel FECAFOOT. D'un duel FECAFOOT MINCEP. Et ça prolonge donc l'actualité camerounaise. Football, FECAFOOT, MINCEP. Ça cristallise tous les discours, toutes les réflexions de la gouvernance au Cameroun sur cette affaire FECAFOOT, MINCEP. On ne parle plus que de ça. On ne parle plus que des remontadas, des dribbles, des buts marqués par l'un ou l'autre des protagonistes, en l'occurrence l'envoyé de Dieu et le moustachu. On ne parle plus que de ça. On ne parle même plus d'Élie Camon. On ne parle plus des difficultés que les partis d'opposition rencontrent et que les citoyens rencontrent dans l'inscription aux listes électorales. On ne parle plus de ça. On ne parle plus des autres affaires. On ne parle que de M. Samuel Eto'o, de son héroïsme, de sa capacité à démystifier les hautes instructions, de sa posture de présidentiable et de tout. On ne parle que de ça. Et tout ça, M. Paul Biya, il observe, il ne dit rien. Il laisse faire. Il laisse son pouvoir être fragilisé. Il laisse son ministre être malmené. Les moments, les périodes où effectivement la fédération prend le dessus, parce que comme on dit, c'est des vagues, c'est des temps forts et des temps faibles pour chacune des parties. Marafat Aminou Yaya n'a pas pu résister longtemps. Le Mebengo a fait son temps. Il est au Nouf. Le professeur Titus Edouard a pensé à un moment donné que son tour était arrivé. On l'a cueilli en plein vol. Mendoza, mort dans un hôpital comme un pauvre type. Lui refusant même une évacuation sanitaire. Paul Biya qui broie toutes ces créatures au passage quand elles commencent à vouloir un peu faire le malin. On est en train de me dire que quelqu'un qui est redevable à l'État camerounais en plein de trucs
On dit qu'il a un passeport camerounais. Ce qui est, rigoureusement parlant, illégal. C'est illégal d'avoir un passeport camerounais tout en ayant un passeport étranger. C'est illégal, non? C'est illégal. C'est impossible d'être président d'une fédération camerounaise de football en étant étranger. C'est illégal, non? C'est illégal. Tu as eu l'argent de l'État camerounais, un prêt. Tu n'as jamais rendu compte. On ne sait pas ce que tu as fait de ça. On ne sait pas ce que tu as fait de l'argent de One World Sport ou des autres sponsors. On ne sait pas grand-chose. Les comptes, tu les as jamais faits. Mais tu mousses autant à défier le pouvoir d'un homme qui, depuis 42 ans, gouverne de manière tyrannique. Tu ne peux le faire que si on t'a donné l'onction pour le faire. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qui a donné l'onction à M. Eto'o de défier l'autorité de l'État? Qui a donné cette onction, cet aval? Moi, j'ai ma petite idée. C'est le créateur des créatures. C'est le système qui utilise Eto'o pour éteindre l'opposition politique camerounaise. Remarquez que depuis que cette affaire la chauffe, le MRC de Kamto, on n'entend plus parler, ou très peu. Monsieur Kamto est quasiment inaudible. Il a eu à faire une sortie médiatique qui ressemble un peu à ce qu'un opposant dans un pays de dictature doit avoir comme posture. Il a fait un discours où il a dit que les choses vont changer, les règles vont changer. Le pouvoir en place ne respecte pas les règles du jeu démocratique et que c'est terminé la récréation. Que 2025 là, ça va seulement cuire. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Imaginez-vous un discours comme celui-là, il y a encore peut-être 6 mois, 3 mois, quand tout était plus ou moins calme. On ne parlerait que de ça. Mais on n'en a presque pas parlé. Parce que c'est le moustachu versus le bossu. Et donc ça, ça arrange le pouvoir. Il vaut mieux que le pouvoir ait pour actualité une déchirure entre deux enfants du système, entre deux fils qui se disputent le leadership. Il vaut mieux ça que d'avoir pour actualité la montée en puissance d'une opposition qui mobilise le peuple camerounais à aller s'inscrire aux listes électorales pour mettre en difficulté la tricherie chronique. De l'homme au Moulinex. Il vaut mieux avoir deux enfants de la même maison qui se disputent un leadership parce que le papa les maîtrise et peut à tout moment siffler la fin de la récréation. Mais vous ne pouvez pas siffler la fin de la récréation avec les enfants du voisin. C'est avec vos propres enfants. Donc vous pouvez contrôler tout. Donc Eto'o, évidemment, il sait ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait, leur papa lui a dit, vas-y. Fais ça. Ça permet de distraire les gens.
Monsieur Paul Biya, c'est un génie dans tout ce qui est roublardise, dans tout ce qui est fémania politique. Il utilise, il sait qu'aujourd'hui, il lui serait difficile d'utiliser Eto'o de manière conventionnelle. De dire Eto'o va en campagne pour moi. C'est difficile. Je vous renvoie simplement vers l'interview d'Eto'o sur France 24. Quand il lui a posé la question de savoir, vous avez supporté, vous avez soutenu Paul Biya en 2018, voilà, est-ce que là aujourd'hui, la question de son âge, machin truc, il va peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu comment Eto'o a répondu? Vous avez vu qu'il était mal à l'aise? Vous avez vu qu'il n'a pas assumé réellement? Comme les tueurs référés du pouvoir vont dire, oh non, non, c'est lui, c'est un autre candidat. Il faut qu'il y ait encore. Non. Il est toujours soutenu, machin truc. Bon, quand il va se prononcer, on verra et tout. Alors que Eto'o pouvait dire que, non, le papa est fatigué. Le papa est fatigué, il faut qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Eto'o soutient toujours Paul Biya, même aujourd'hui. On ne sait pas comment et pourquoi, mais ce jeune, parce qu'apparemment, à presque 50 ans, on est jeune encore au Cameroun. Donc ce jeune a décidé de mourir avec un papa de 92 ans. Il vous a dit qu'il va encore le supporter. Mais il sait que son appel à voter pour lui en 2018 n'est pas passé. C'est encore en travers de la gorge des Camerounais. Donc il ne va pas venir nous refaire la même chose. Donc il fait ça comme il est en train de faire là. Il fait ça comme il est en train de faire. Parce que ils vont comme ça l'embrouiller les Camerounais, détourner les Camerounais des vrais problèmes, des vrais sujets, pendant longtemps. Pendant ce temps, ils réfléchissent comment on... Maintenant, après ça, quel est le plan qu'on met en place et tout ça. Il aura déjà fait son boulot. Il aurait déjà fait son boulot. L'opposition est inaudible. Puisque même les opposants ne parlent que de l'affaire là. Les Camerounais ne parlent que de ça. Nous ne parlons que de ça. Et quand même qu'il voit déjà en lui, je ne sais pas trop. Mais Camerounais, sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux. Eto'o vous dit qu'il fait partie du système. Il est le fils du créateur de ce faux système. Il en est le fils. Et il n'a jamais contesté la gestion de son papa. Comment vous pouvez même vous dire que c'est lui, c'est lui, ça doit être lui, c'est lui qui va changer. Mais imaginez juste un instant. Donc, que la 2025, par miracle, Eto'o est président de la République du Cameroun. Donc il envoie Paul Biya au village. Et il change donc tout. C'est-à-dire que tout le grabuge fait par Eto'o ou avec Eto'o, même si c'est vraiment par malchance, depuis les Lions où il est capitaine, jusqu'à maintenant, tous les faits divers. Parce que quand on parle de Eto'o, de sa gestion actuelle, c'est rarement un bien. C'est toujours un fait divers. Donc, soit il va ramener ça dans la gestion du Cameroun. Et là, je pense que ça va être très sportif. Ou alors, comme par miracle, tout va changer. Il va devenir le Thomas Sankara. Je ne sais pas tout par quel miracle. C'est-à-dire, démontrant à mon peuple camerounais, surtout à Paul Biya, qu'il a été un faux président. Vous avez déjà vu un fils qui aime son papa, comme Eto'o aime donc son papa Paul Biya. Lui manquer de respect au point de démontrer au monde entier que le papa là c'était un feignant, c'était un paresseux, c'était un machin truc là. Vous avez déjà vu ça. Le peuple camerounais soit un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Parfois, ils sont un peu plus raisonnés. Eto'o
vous a toujours dit que il meurt avec Paul Biya. Et vous dites que c'est lui l'homme clé qui va venir vous sauver. Alors que pour l'instant, il fait exactement comme Paul Biya. Il a voulu passer son mandat de 4 ans, 7 ans, pour avoir la même mandature que son papa. En toute illégalité. Il est quand même condamné en Espagne pour fraude fiscale. Il a un passeport espagnol et camerounais, ce qui est interdit. Il n'a jamais appelé à aller s'inscrire aux listes électorales, ce qui n'arrange pas le RDPC, bien entendu. Il n'a jamais pris des positions fortes sur les questions de souveraineté nationale. La guerre au Nouveau, Boko Haram, la vie chère et tout ça. Jamais. Et vous voulez dire que Eto va venir et il va changer le Cameroun au point de participer à l'insulte à son prédécesseur. Parce que bien sûr, pour bien, s'il part du pouvoir la vivant, c'est les insultes des Camerounais qui vont le tuer. C'est les insultes des Camerounais qui vont le tuer. Même les gens qui mangent sur la mangeoire là, tous ces communicants qui passent là sur les plateaux là pour parler que le RDPC, que Paul Biya, selon la situation, tous vont finir avec lui. Il va mourir d'AVC téléguidé par les paroles des Camerounais. Il le sait, c'est pour ça qu'il ne peut pas partir. Imaginez donc non seulement ça, et ensuite, c'est toi qui viens encore l'enterrer en montrant comment on peut diriger autrement. Vous avez vu ça. Donc ce qui veut dire que Eto a donné la garantie au pouvoir que je suis avec vous. Alors que bon, écoute, fais le show. Fais le show. Parce qu'un homme sensé ne peut pas faire ce qu'Eto fait là. Un tel affront. Si moi, aussi léger que je suis, par hasard j'étais président de la Fédération Camerounaise de football. Et je me pose comme ça au pouvoir. Mon frère, moi je n'ai jamais mangé l'argent de l'État. Et je ne vais jamais manger l'argent de l'État. Mais l'État allait trouver des raisons pour m'envoyer à Koundé. Je serais déjà là-bas au chaud. Mais Eto n'est pas là-bas. Alors qu'il y a toutes les raisons de l'envoyer là-bas. Si on va éplucher les comptes, si on va éplucher tout ça, là, on ne va rien voir. Et vous savez que cette histoire-là, c'est que tu aies volé 1 milliard ou que tu aies volé 100 000 francs CFA. Le vol, c'est le vol. Ça t'envoie en Koundé d'abord. Et toi, n'ira donc pas. Du moins, il n'est pas encore allé là-bas. Il brave l'autorité comme ça, là. Si on ne lui a pas dit que aide-nous par ça. Puisque, à cause de cette affaire-là, et l'impression que il est la solution. Des gens arrivent à rêver, d'ouvrir la posture du Messie camerounais. Donc, c'est un vivier électoral. Et s'il canalise ça, ce vivier-là, il maîtrise ça quelque part, pour au minimum exclure ce vivier-là du jeu électoral. Ça fait l'affaire du pouvoir, puisque, paradoxalement, le vivier électoral d'Eto, ceux qui adorent Eto. Mais ces gens qui sont donc déçus de Paul Biya, qui sont déçus du système, qui disent que non, oh, ils volent, ben lui il fait bien Eto. Voilà. Le paradoxe c'est que lui-même il est comme les autres, mais il est adoré par les gens qui n'aiment pas les autres. Et donc, sa mission c'est de canaliser cela. Qui n'aille nulle part, qui n'aille pas chez Camto, qui n'aille pas machin, qui reste avec lui et tout. En attendant que. Jusqu'à la dernière minute. Quand ils vont trouver l'astuce pour que ce vivier-là, qui puisse ramener ça dans le système. C'est de ça qu'il s'agit. Et de rien d'autre. Donc. Eto est en train de faire sa campagne
électorale pour M. Paul Biya. C'est sa part de campagne électorale pour Paul Biya. Ne vous trompez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Benoît Yekel, tu me dis très bonne lecture. Oui, honnêtement, ça c'est ma lecture à moi. C'est, honnêtement, j'ai essayé de réfléchir. Mais comment on peut être aussi suicidaire dans le Cameroun qu'on connaît là? Comment? Quand on a des choses qu'on, enfin, qu'on peut nous reprocher objectivement. Comment, déjà que même si on n'en a pas, braver l'autorité de l'État, on dit que l'État c'est un monstre froid, non. Braver ça comme ça, jusqu'à même manquer de respect à la justice. Il y a eu deux justices. Il y a justice de la FIFA. La FIFA a dit que allez vous arranger. La FIFA n'a parlé que la Convention. Oh, la Convention n'est pas en faveur de la FIFA Foot. La FIFA dit que allez vous arranger. Mais est-on continue à avoir une lecture différente de la comment on appelle ça, des recommandations de la FIFA? Il a une lecture différente du discours de Paul Biya, du différent que nous avons entendu. Nous avons tous entendu ça. Eto'o botse en touche. Il dit que le décret. Il dit le décret. Le décret, parce que le décret est, on va dire un peu, en la faveur de. Il dit le décret. Non, nous, le décret, c'est le décret. Bon, quand vous ne voulez pas qu'on gère le décret, on va à la FIFA. La FIFA ne parle que de la convention. Mais malgré ça, et toi, dit, oh, vous ne savez pas lire, même le français facile vous dépasse. C'est pas ce que la FIFA a dit. Oh, la FIFA a dit que c'est nous qui devons, alors que c'est pas ce que la FIFA a dit. Maintenant, ils foncent quand même que non, on a notre staff. On a notre staff. Oh, ils ont gagné, ils ont notre staff. Ils nous font la fémania, que oh, la FIFA, oh, le nom de Brice est sur le site, la FIFA, oh, le nom est enlevé, oh, et comme nous, on est comme nous, on est bête, non. On pensait que c'est Infantino. Que Infantino lui-même, qui prend les photos avec lui là, à Bangkok, on voit, ils sont tous capitaines là. Donc on s'est dit que c'est son ami. On s'est dit que donc c'est Infantino qui laisse toutes ses prérogatives et toutes les fédérations du monde. Infantino m'a dit que maintenant moi c'est seulement la FIFA Foot de mon ami Eto'o. C'est Infantino lui-même qui était sur le clavier. Dès que Eto'o dit que bon. Bon, on vous prend. Non, on ne connaît pas votre staff. Brice n'est pas sûr, il a eu le truc là. Bon, Infantino, à un moment donné, là, Infantino, il a eu un petit moment de faiblesse là. Il a commis l'erreur de mettre le nom de Brice. Au début là, il a mis le nom de Brice. Eto'o a grondé Infantino. Jusqu'à Infantino s'est levé à 2h du matin. Son épouse lui a demandé que mais tu pars où? Et pardon, Eto'o vient de m'envoyer un message là, pardon, laisse-moi repartir dans le bureau là. Il a ouvert son ordinateur d'Ada. Infantino est allé enlever le nom de Brice. Jusqu'à on a commencé à tous à dire que oh, le nom de Brice a disparu de truc là. Vous pensez que c'est Infantino? Gianni Infantino, président de la FIFA. Il s'est levé à 2h du matin. Sa femme lui a demandé que tu pars où. Elle a dit que Eto'o m'a envoyé un message là. Que c'est grave. Il m'a donné 5 minutes. Allez regarder. Le nom de Brice a quitté le site de la FIFA à 2h05 du matin. Infantino lui-même. Il a enlevé ça.
après, bon, il y a eu machin, truc et tout, ça là, bon, et tout dit que bon, bon, on fait un peu, je coupe la poire en deux, bon, je te prends ton sélectionneur et son adjoint, mais les autres Camerounais là, je ne suis pas là-dedans. Bam. Et toi, envoie le message à Infantino. Remets son nom. Infantino est parti remettre le nom de Brice. Voilà comment vous avez vu. Vous avez vu que le nom de Brice est revenu là. Après, machin truc, on convoque Brice. Ah, la Fécafouille ne vient pas. Parce qu'il va lire une fausse liste des joueurs là-bas et tout. Et toi encore appelé Infantino. Et Infantino a encore enlevé. La deuxième convocation, comme Infantino est venu là, donc il y a eu la paix des braves et tout ça là. Et toi encore appelé Infantino. Et comme... Non, là il n'a même pas appelé. Parce qu'ils étaient déjà à Bangkok ensemble. Là-bas, avant le match amical que vous avez vu là, il a dit à Infantino que bon, c'est bon là, il est venu à la convocation et tout ça là. Et Infantino a d'abord laissé le match. Parce qu'à un moment donné là, les gens qui ont regardé le match là, le match amical là entre eux là, à un moment donné, Infantino a disparu. Infantino est parti prendre son laptop au vestiaire pour remettre le nom de Brice. Infantino est parti reprendre son ordinateur. À un moment donné, vous avez vu, là, il a couru, là, comme ça, il partait au vestiaire. On parfait qu'il partait peut-être faire pipi. C'est Eto'o qui lui a dit que Jonan, si c'est Jonan, son secrétaire général, m'a dit que le PEP belge, l'occasion belge, est venu à l'Afrique à foot. Il est venu à l'Afrique à foot. Accompagné par le menteur Tolo. Il est quand même venu. Infantino a couru, il a laissé tous les joueurs. Il a laissé, il est parti au vestiaire, il a ouvert son laptop. Il est rentré dans le site de la FIFA, la page du Cameroun. Il a rajouté Brice. Voilà comment Brice s'est retrouvé encore là. Vous savez que Brice a disparu, réapparu, disparu peut-être même 4 fois. Maintenant, les gars repartent au tribunal. Que les clubs, les Abdourahman, machin, truc là, ils ont amené tout au courant et tout ça là. Dès que la décision du CCA là est tombée, Eto'o a encore appelé Infantino. Que bon, les gars là, ils ont vraiment décidé. Bon, là maintenant même, maintenant ça endemme une fois, c'est même fini. C'est fini là maintenant. Hein? Maintenant, enlève-moi le nom de Brice. Voilà comment vous avez vu que Brice est encore parti. Ce n'est pas que c'est un employé lambda de la FIFA ou que c'est les gars des Eto'o qui sont à Yaoundé là, qui sont assis. Non, c'est Infantino. Infantino est l'employé de Eto'o. On en est à ça. On en est au fait que voilà un monsieur qui est venu à la fédération. Il dit que il veut redonner au Cameroun sa splendeur perdue. Mais je discutais ici avec un jeune Ivoirien qui connaît le football, qui a même regardé le match Cameroun-Togo. Je lui parlais d'une anecdote là. On parlait des joueurs, la Dream Team du Cameroun et de Côte d'Ivoire de l'époque. On arrivait à parler, je lui disais, quand je voulais lui parler de son qui, match Cameroun-Togo, Alexandre Song a été malmené par Adebayor. Dès que j'ai dit ça, le gars m'a terminé l'histoire. Je dis, attends, comment tu... Il dit que moi, je regarde tous les matchs, les Lions, je connais de A à Z et tout. Cameroun-Togo à Yaoundé, éliminatoire, je crois peut-être la Coupe du Monde ou même la Coupe des Nations, mais c'était un match là. Adebayor était encore tout feu, tout flamme. Il était, je pense, à Arsenal ou au Real, je ne sais plus trop. Alexandre Song au milieu de terrain. Adebayor
a fait un anti-jeu à Alexandre Song et il fonçait vers le point de corner du côté droit de la défense camerounaise. Sombanak a suivi Adebayor. Sombanak a voulu, a fait comme au quartier, comme au quartier. Il venait finir Adebayor. Pour rien, hein, seulement parce que Adebayor avait manqué de respect à son neveu. Ou son, je pense que c'est son neveu. Sombanak venait là comme l'Ivoirien là, le jeune là. Il m'a parlé de cette scène là. Et c'est le mec qui a dit que là, Song a fait comme au quartier. C'est ça qui se passe. Donc, cette attitude-là, c'est la gestion des taux. C'est-à-dire que tu manques de respect, je manque de respect. Tu m'assures que ça va jusqu'au sang. Dans quel pays? Contre qui? Contre l'État. Contre l'État. À tort ou à raison. Et Pobia regarde, il voit ça, il ne dit rien. C'est Pobia quelque pitié. Aide-nous là, fais comme ça. Fais comme ça. Quitte à devenir ridicule, fais comme ça là. Le regard des taux. Sur France 24, allez encore regarder ça. Quand, je ne sais pas si c'est Christophe Boisbouvier ou celui qui interviewe souvent là et tout là, lui a posé la question. Paul Biya, 2018, vous avez soutenu. Vous allez encore le faire là parce que, bon, voilà, on dit qu'il va se représenter, machin, tout là. Et toi, a dit, vous savez, hein, j'ai toujours soutenu le président de la République. Hein, voilà, mais donc là, on attend, il ne sait pas prononcer, mais on attend, machin, tout. Mais quand quelqu'un dit comme ça là, c'est clair. Ça veut dire qu'il va supporter. Et il est en train de le faire. Mais il sait que ça ne passe pas. Il sait que même ses supporters, il va perdre encore une partie de. Parce que, bon, on dit qu'une fois, bon, tu avais quand même, et là, quand même, tu ne peux pas faire une deuxième fois. Et il est en train de faire ça comme ça. Paul Biya, paradoxalement, où les gens pensent que là, Eto'o fragilise le pouvoir. Non, 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 les gars. Avec le Cameroun, on vous a déjà dit que la logique universelle ne s'applique pas au Cameroun. Tout ce qui est tordu dans le monde, venant au Cameroun, ça va être droit. Ce qui est droit au Cameroun, c'est tordu ailleurs. Donc, quand on pense là que Eto'o est en train de fragiliser le tout, est même en train de montrer que les autres ne veulent rien dire. Les gars, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous pensez quelque chose du Cameroun, prenez le miroir de ça. En fait, Paul Biya et Eto'o est en train de renforcer les hautes instructions. Eto'o est en train de renforcer le pouvoir de Paul Biya. Eto'o est en train de fragiliser l'opposition. Eto'o a diminué l'enthousiasme à l'inscription à liste électorale parce qu'on n'en parle plus. Donc tous les petits couacs qu'il y a là-bas, même les journalistes vont se focaliser eux-mêmes. Le journaliste va passer son temps à être dans les réseaux sociaux pour voir quel est le nouveau rebondissement de l'affaire. Au lieu d'aller enquêter sur Elie Kam est où, Elie Kam fait quoi, qu'est-ce qui se passe, machin, tout. Non, on est tous là-dedans. Moi-même, ça me laisse. La preuve, je vous fais un direct sur ça. Mais je vous dirais ça pas parce que ça m'intéresse, mais c'est parce que je veux vous dire que les gars, remobilisons-nous pour 2025. Laissons Eto'o et sa famille là-bas, églisiens, sortez de votre église de Tchinga, sortez de là. Eto'o n'est pas votre pasteur, c'est un faux pasteur, il n'est pas avec vous. Eto'o avait le pouvoir. Pour preuve, il va même jusqu'à aller s'asseoir à une place qui n'est pas la sienne. Tous les présidents des fédérations, s'ils étaient invités, s'ils étaient là-bas, est-ce qu'on les a même vus? Et toi, mais quelle est même cette compulsion à vouloir toujours être avec les en haut d'en haut.
Expliquez-moi un peu ça. Eto, c'est un enfant de famille pauvre qui est né dans la pauvreté, qui a grandi dans la pauvreté. Certes, qui a eu de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est obligé de vivre avec les riches. Moi, je suis désolé. Les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent, comme ma soeur septième du nom qui est là, dis-leur, on connaît ma vie. Mes amis, les gens que je fréquente, ce n'est pas les gens de ma classe sociale. Quand je dois jouer au football, je joue au football dans les associations lambda où il y a tout le monde. Il y a le benskineur, il y a le chômeur, il y a l'avocat, il y a tout le monde. Je tape les divers avec tout le monde, même avec celui qui a du mal à aligner sujet, verbe, complément. Pour preuve, sur ma page, vous-même vous savez, je réponds même à tout. Je suis même souvent dans le gel avec des gens qu'en temps normal, ils ne me verraient nulle part. Nos chemins ne se croiseraient jamais. Mais il y en a qui me taquent, qui m'insultent même sur tout là. Je réponds même. Le fait même de répondre, alors qu'on n'est pas obligé, alors qu'on peut jouer son rôle, de attends, je ne réponds pas à n'importe qui. Mais je le fais même parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais pourtant, je peux vous avouer que j'ai grandi dans des conditions qui sont nettement supérieures à celles d'Eto. Mon père était un bon fonctionnaire de l'État camerounais. On avait deux voitures de service chez nous, mais on partait à l'école à pied. Mon père nous disait, c'est pas mes voitures, c'est les voitures de l'État. On ne m'a pas donné ça pour vous amener à l'école, à Idea, sous la chaleur. Tu fais au moins 20 minutes de marche sous une chaleur caniculaire. Tu te transpires jusqu'à toi-même, tu respectes ton père. Tu es grandi dans la sobriété. Et je me suis fait. Et oh, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Je pense que je peux manger à ma faim. Je peux faire des choses qui sortent un peu de l'extraordinaire. Mais je n'ai pas perdu la tête. On ne peut pas m'expliquer que ce monsieur, ses seules fréquentations, les seuls endroits où il veut, c'est les endroits où m'as-tu vu, m'as-tu vu, m'as-tu vu, m'as-tu vu, jusqu'à être clando à la tribune présidentielle, jusqu'à être clando, clando. Un futur président de la République est clando. Un président d'une fédération de football, l'une des fédérations les plus importantes d'Afrique, est clando, clando. Et vous trouvez que c'est encore simple. Et tout n'est pas avec vous. Arrêtez. Peuple zombifié, églisien, et tout n'est pas avec vous. Je suis désolé. Il se sert de vous comme Hitler s'est servi de son peuple. Comme Mussolini s'est servi de son peuple. Comme Mobutu s'est servi de son peuple. Il faut bien s'appuyer sur une masse d'affamés, de zombifiés pour s'élever. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai rien contre Eto, mais c'est une petite personne. C'est une petite personne qui ne mérite pas qu'on lui accorde autant de bienveillance. Je suis désolé. C'est une petite personne qui ne pense qu'à elle et qui sait que il y a une exposition médiatique, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'il va faire, on va le voir. Il était dans la tribune présidentielle,
bien derrière les enfants, quand on dit même les enfants, on voit les histoires qu'on lit là sur la toile, tu vois même ça. En temps normal, quand tu as même, si tu as donc une destinée comme ça là, mais tu ne t'assois même pas dans le milieu là. Tu ne t'assois même pas là. Puisque tous ces gens qu'on a vus là, même la personne qui a récupéré cette place là où il était assis. On m'a dit que moi je ne les connais pas. Je dis je ne les connais pas. C'est quand j'ai fait le poste là, on m'a dit que c'est Madame Moudiki, c'est Nathalie Moudiki. Dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux. La femme là, elle serait là. Dans un pays sérieux. Son mari serait. C'est SNH ou SNU. Le mari serait là, dans un pays sérieux. On me dit que c'est les aides, les machins, trucs, les noms comme ça là. Hein? Voilà alors le milieu que votre envoyé de Dieu. Hein? L'enfant du peuple. Le sauveur des affamés. Les gens là. 80% des Camerounais sont des affamés. Ils n'ont même rien à manger. Donc, et tout, jusqu'à la gare, et tout. L'envoyé de Dieu. Et tout dit va, je vais. Mais il ne fricote qu'avec les gens qui volent votre argent, qui mangent votre argent. Jusqu'à il va mettre Tlando pour être avec eux. Il sait que vous allez le voir. Et il sait que, comme les hiboux disent, oh, il a pour, il va plus revenir en exil et tout cela. Il sait que quand vous allez le voir là, oh, oh, on vous avait dit non, notre champion, il est là. Il est là et il n'est même pas n'importe où. Camerounais. La seule chose que Pobia a réussi à faire au Cameroun, c'est d'abrutir le peuple. Rendre le peuple Doumkov. Doumkov. On a un peuple Doumkov. Le peuple le plus idiot de la planète. Peuple camerounais. Le plus idiot de la planète. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment un monsieur fait partie des Aoun Tango qui vole votre argent, qui vous oppresse, qui confisque vos vies. Il fait partie d'eux. Il ne se reconnaît qu'en eux. Il n'est qu'avec eux. Et c'est que vous le regardez, que vous l'admirez. Vous l'admirez, mais vous n'admirez pas les Baboké. Ce n'est pas l'ami intime de Baboké. Ce n'est pas eux qui dansaient ensemble sous le rythme d'un Bendeka des plus roublards, des plus dangereux. Moi, j'ai dit que le Douala, c'est la malédiction. Le Douala, c'est la malédiction. Tous ces gens-là qui mangent au pouvoir. Tous. Les petits pays, les Bendeka. Mais tu comprends pas. Petit PV, vous venez sur lui. Mais ça qu'il a eu la médaille. Tard, ça c'est vrai. Sur le tard. Au vu de sa production et tout, il aurait mis ça depuis. Mais il a eu ça maintenant. Allez chercher l'erreur. Pourquoi c'est maintenant qu'on donne la médaille à Petit Pays? Vous croyez que il n'y a pas un lien avec sa sortie calamiteuse sur Info TV? Où ce monsieur m'explique à moi, le médecin, il m'apprend ce que je n'ai jamais appris à l'école, que le foie qui est là, le foie, est devenu, en termes cognitifs, en termes de réflexion, en termes de gymnastique intellectuelle, en termes de capacité à diriger un pays, le foie est devenu plus important que le cerveau. Que le foie du bouc ne vieillit pas. Dans le foie de Paul Biya n'a pas vieilli. Bon, vous avez dit qu'il n'a plus le cerveau, mais il a le foie, ça va diriger tout ça. Entre nous, on connaît Paul Biya.
avec les déclarations choc, mais bêtes, de ses élus. On connaît Momo. Momo, qui sur le plateau de Canal 2. Brenda, salut ta mère, ma chère Toketo. On l'a nommé. On connaît Femme Ndongo déjà en difficulté avec l'histoire d'abord de, c'est pas trop le truc de satellite quand il était, c'est de la culture ou là. Et après il est venu au ministère de l'enseignement supérieur nous dire que 32 gigas égale 500. Ils ont fait la fémania sur les ordinateurs. Les chinoiseries là, à coup de milliards. Comme il était fragile et tout, il dit qu'il est la créature du créateur. Attends, tu peux pas faire plus. Tu es la créature du créateur. C'est-à-dire que tu dépasses déjà Dieu. Jusqu'à ce n'est pas lui qui est ministre jusqu'à maintenant, là, 20 ans déjà. Le ministre le plus nul de la planète. Le plus nul, nullissime, Femme Ndongo. Je dis encore, avec tout le respect que je dois à mon ministre, c'est mon ministre. Femme Ndongo, c'est mon ministre. Mais je dis, il le sait. Et j'espère que je vais le rencontrer un jour. Que Femme Ndongo, tu es le ministre le plus nul de la planète. Tout pays confondu. Le plus nul. Femme Ndongo. Mais il est toujours là. Ce pauvre bien, si tu n'es pas médiocre, il ne te garde pas. Il ne te garde pas. Donc, vous comprenez que pour bien n'aime que ce genre de personnage. Pour bien n'aime que ce genre de personnage. Et donc, dans un milieu aussi infect, et toi, fils nage là, comme un poisson dans l'eau, et le peuple l'adore. Il vous dit même que lui, il est toujours avec votre bourreau. Mais vous l'adorez. Peuple. Peuple camerounais, c'est quelle zombification ça? C'est quelle zombification? Pardon, n'insulte pas une tribu, même si c'est ta tribu. Bah, enfin, je sais pas, je suis pas en train d'insulter. Moi, je dis une réalité. Je dis que, oui, mon peuple, Sawa, Douala, on est au rendez-vous du combat pour la sortie de crise, pour l'autodétermination, pour l'amélioration des conditions de vie. Non, on n'est pas. On n'est pas au rendez-vous. Et pourtant, on n'a pas des excuses. Parce que on est censé être un peuple assez éclairé. Parce que c'est Douala, le carrefour de la civilisation camerounaise. C'est le carrefour. C'est là où il y a le plus de rencontres avec l'étranger. On va dire échange, on va dire gain en termes de culture et autres. On est censé être éclairé, l'instruction, l'école, machin, truc. On a quand même des leaders, même si la masse de l'homme Douala. Moi, je dis, quand je dis Douala, ce n'est pas les habitants de la ville de Douala, enfin, les natifs. C'est tout le grand Sawa. Oui, ben, c'est, l'école dans la masse, c'est pas ça qui a été, mais des intellectuels, des leaders, on en a à Douala. Mais combien sont dans la vraie lutte pour l'émancipation du peuple camerounais? Combien? Après non. Si vous excluez, comment vous l'appelez encore, Madame Ekwe, la journaliste là, et on sait qu'elle a mouillé le maillot, Maître le bâtonnier, Maître Yondo Black, il a mouillé le maillot.
Vous prenez qui? On va prendre les Kindi, parce que on connaît les Kindi. Vous allez prendre qui? Même aujourd'hui, dans la société civile, vous avez combien de gens qui se battent? Combien? Moi, j'ai pas envie de me vanter. Et puis, l'humilité voudrait qu'on ne parle pas de soi. Mais je suis désolé. Je suis un peu comme un poisson dans la soupe. Hein? Un cheveu dans la soupe. D'ailleurs, combattu par son peuple. Combattu par son peuple, vous le savez très bien. Moi, je ne vais plus nulle part. Je ne vais pas dans les associations ici, là, à Paris. Je ne vais pas dans les associations de football des Camerounais. Du moins celle des Sawa. Je n'y vais pas. J'y allais, je ne vais pas. On ne manquait de respect à personne plus qu'à moi. Une élite, hein. Une élite intellectuelle. On ne manquait de respect à personne plus qu'à moi. Ils sont là, ils sont sur ma page, je sais. Ils me côtoient, ils voient, ils savent de quoi je parle. Allez m'expliquer que pour ce Baïbek, dans le milieu bassin, peut avoir un manque de respect. Allez m'expliquer ça. Allez m'expliquer que Fridolinké, sur les étonnes, on le gifle tous les jours, n'importe comment et tout. Et il ne peut même plus aller jouer avec eux. Allez expliquer ça. Allez, prenez n'importe quel intellectuel camerounais dans son milieu. Il est soutenu ou bien il est décrié. Moi, je suis la serpillère des Douala. Je suis la serpillère des Douala. Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire que Ntoné m'a chassé de la Kentini. C'est les Douala, hein. C'est Douala qui disait ça. Que Ntoné, moi et mes bonnes, Ntoné m'a chassé de la Kentini. Et puis pas chassé que j'étais trop beau pour incompétence. Ouais, jusqu'où on arrive. La Kentini. Même pas la Kentini de maintenant, hein, où on dit que c'est quand même mieux qu'avant. La Kentini de Ntoné. Le mouroir. Le mouroir, la Kentini, le mouroir. Tu entres là. Tu as une chance sur deux de mourir. Pour ne pas dire une chance sur deux de mourir. Ne tentons pas d'arriver à la réanimation. La réanimation, c'est vu de réanimation de la Kentini de Ntoné. On peut tout dire. Et tout, hein, vous savez, mes rapports avec le directeur de la Kentini actuel. Mais c'est le jour et la nuit. La réanimation d'un Ntoné Fritz. Un Douala. Douala, on dit que les Douala, ils sont propres, ils sont machin, tout et tout là. Ntoné, la réanimation de la Kentini, sale, pas équipé. Personne n'est pas formé. Tu entres là, tu meurs. C'était ça la Kentini. Les autres services alors. Mais tu arrives là-bas, tu attrapes la maladie et puis ça finit avec toi. Saleté. Ntoné, ce qu'il savait faire, c'est peindre l'extérieur et mettre un peu le gazon là. Et puis on savait qu'il y avait le marché de ça. Dans un hôpital comme ça là, on dit que moi, Aimé Bonny, fraîchement venu de Paris, j'étais tellement incompétent que Ntoné m'a chassé pour incompétence. Donc je venais de Paris. On ne m'a pas chassé là-bas. Je suis arrivé au Cameroun. Ntoné m'a chassé. Je suis parti à l'hôpital général. Parce que Bélema a récupéré. Quand j'étais déjà un peu. Moi, j'étais un peu. Un pied à la générale, un pied à la Kentini. Quand Ntoné m'a convoqué. Pour me dire que bon. Il fallait que je te dise avant que. Mais j'avais appris qu'il va mettre là. Parce que la chef de service de cardiologie. Fille de Étonne, comme au Langena. Adjointe. Qui voyait son gombo dans le service fini parce qu'un jeune médecin venu de Paris, là, tous les malades venaient seulement chez moi. Elle a créé les photos, là, elle a dit Ntoné. Ntoné, c'est un nom politique. Il m'a dit que vraiment, petit frère, il faut que je choisisse. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà comment je suis parti de la Quintine. Hein. Ntoné m'a payé pour me dire que bon, petit frère, vraiment. Quelques temps après, c'est ça qu'on l'a nommé. Délégué du gouvernement. Belle, elle me récupère donc. À l'hôpital général. Je reste à l'hôpital général temps plein là-bas jusqu'à ce que je quitte le Cameroun parce que le Cameroun c'était bizarre, rien ne marchait là-bas. Belle a refusé de me libérer.
dont un incompétent qui n'a pas pu tenir la cantinée, l'hôpital général. Ben, elle dit que non, non. Pour partir, parce que quand même, il faut respecter sa hiérarchie. Pour partir, j'ai menti à Belle que bon, bon, donne-moi 3 mois, je vais faire une formation en France, là, je reviens. Dès qu'il a signé mon tour, je suis parti. Ils ont seulement constaté après que, bon, je ne suis plus tout après, bon, finalement, vous avez compris. Donc, les Français m'ont récupéré. Jusqu'à, je suis médecin en France. J'ai créé une unité de rythmologie dans un hôpital français. L'hôpital Saint-Camille à Brissumane, c'est connu, vous demandez. Hôpital Saint-Camille à Brissumane. Aucun hôpital au Cameroun n'a l'expertise, l'équipement de cet hôpital, qui n'est qu'un hôpital de région en France. J'ai créé une unité de rythmologie. J'ai fait former les infirmières. On a commencé la stimulation cardiaque là-bas. Moi, c'est moi qui ai créé ça. Quand on met les pacemakers à la cantine, ça commence à sortir à la télé jusqu'à Elimbi Lobé. Voilà un autre là. Elimbi Lobé. Comme il a son conflit d'intérêt avec les gens à la cantine, il fait la publicité de la pause. Il peut même pacemaker à l'hôpital à la cantine jusqu'à la télé. Donc ça a vu dans le monde entier. Un acte banal. Comme ça. J'ai voulu amener ça au Cameroun. On m'a mis les bâtons dans les roues. Je suis reparti en France. J'ai dit à ma chef de service, le cadre que bon, je prends la place, mais moi je veux faire ceci là. Carte blanche. Carte blanche, on te donne toutes les conditions pour mener un projet parce que c'est porteur. Aujourd'hui, je suis parti de cet hôpital. L'activité est là. Créée par moi. Je travaille à l'hôpital Georges Pompidou, l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc c'est la quintinée qui me dépasse. Quelqu'un qui travaille dans les meilleurs hôpitaux de France, c'est la quintinée. Tout ça là, c'est les doigts là. C'est les doigts là. Baïbec. Déjà lui-même, il n'attend pas que vous parliez de lui. Il vous dit qui il est et ce qui est vrai. Mais dans le milieu camerounais et des bassins, c'est une référence, on parle de lui, on fait son truc. Moi, c'est les Douala qui m'insultent. Or, ce que je fais pour la cardiologie africaine, il n'y a aucun cardiologue africain, aucun cardiologue du monde qui parle de la cardiologie africaine, de la rythmologie africaine, qui ne parle pas de moi. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je parle en mondovision, les Camerounais, les cardiologues sont là, ils écoutent. Quand on parle de la cardiologie africaine, quelle que soit la personne, au Congrès de la Société européenne de cardiologie de l'année dernière, à Barcelone, dans une conférence international. Un Indien avait la charge de parler de la rythmologie des pays à revenus intermédiaires et à revenus faibles. Quand il parlait de la cardiologie africaine indienne, tous ces slides, c'était les travaux d'Aimé Bonny. Je dis, dans le monde, quand on parle de la rythmologie africaine, on parle d'abord de moi. Mais les Douala qui n'ont même pas été à l'école, ces Douala là qui sont là à Paris, là, parce qu'ils ont déjà eu les papiers et tout, là, mais ils n'ont pas été à l'école. Il faut les voir quand ils sont entre eux là. Quand il faut parler des Mébonis, sur la Saint-Pierre. Et vous me dites que non, pardon, n'insulte pas une tribu. Excusez-moi, je vous le dis. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je n'aime pas encore parler. Là, on est encore dans d'autres domaines. Je vais venir sur les Douala. Comme ils montent sur moi tous les jours, je vais monter sur eux jusqu'à... Ils ne vont même pas comprendre. C'est une tribu méchante, jalouse des siens. Et comment on peut progresser comme ça? Comment on peut progresser comme ça? Dans quel pays?
si déjà ta base ne te soutient pas, attends, tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu. Donc, on doit pouvoir être mobilisé pour le vrai combat. Le combat du Cameroun ne passe pas par le messianisme. Arrêtez de penser que au Cameroun, il faut forcément avoir un messie, un homme qui va venir trouver les solutions, toutes les solutions à vos problèmes par des discours pompeux. Non. Je me déplace un peu parce que il me faut brancher mon truc. Il faut qu'on arrête ça. Que ce soit Cabral Ibi, Kamto, Eto, ou je ne sais pas trop qui, arrêtons de penser que il y a quelqu'un là qui n'a pas de défaut, qui a les solutions à tous nos problèmes. Ça n'existe pas. Nous devons bosser. Nous devons bosser. Nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre, des autres. Nous devons le faire. Nous devons remettre en question tout ce qui nous est dit, comme ça. Et nous devons savoir que au Cameroun, face à l'emprise de ce système qui a réussi à verrouiller tout et même à verrouiller nos consciences, nos cerveaux, nous avons l'obligation de lutter, de bagarrer. Chacun à son niveau doit apporter sa touche. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Petit gâteau, t'as dépassé ici, là, tu as fait la bagarre, tu es parti t'exiler et tout. Supposons même que je suis un exilé. Le combat que moi j'ai mené au Cameroun là, j'ai fait ma part, que chacun fasse sa part. Il y a qui crie sur moi sur les réseaux, la fasse sa part. Quand Kamto marche, on le prend. Les gens qui sont nerveux là et tout ça là, vous, combien sont allés même lui rendre visite? Combien ont fait le sitting à Kondengi? Que libérez-nous le truc, combien? Vous pensez que les prisons du Cameroun là, il y a 500 000 places libres là, que si 500 000 personnes sortent là pour marcher pour Biboum Nissak, il n'a pas sa place là-bas. Les Sénégalais ont fait ça. Vous pensez que Macky Sall ne voulait pas le pouvoir autant que Paul Biya? Vous pensez? Mais en face, il y avait le peuple. En face, il y avait le peuple. Chez nous, vous savez, c'est pas insulter ceux qui luttent même pour vous. Oh, petit, tu as fui. Parce que quand mes combats que j'ai toujours mené à la fac, depuis 2009, j'ai été recruté en 2008, depuis 2009, je ne fais que me battre en interne. Vous étiez là, je vous appelais à témoin. Vous croyez que quand le recteur et ses gens disent à Tchung que, bon, comme tu l'as invité là, pour parler de l'ordre des médecins, bon, lance-le aussi de l'affaire ou de la formation. On le connaît, on sait qu'il va bavarder. Et là, on va l'attraper. On va lui dire trouble à l'ordre public. Puis c'est ce qui s'est passé. C'est le scénario qu'il y a eu. Tchung a ajouté dans le programme de la vérité en face la question sur la formation. Il savait que moi, dès que tu me branches là, je suis parti. Et ces gens-là avaient déjà préparé leur demande d'explication. Que vous êtes passé sur Média pour diffamer l'université et soulever les étudiants. Ça, c'est la demande d'explication. Vous avez vu ça, j'ai publié ça. Ça veut dire quoi? Quand on dit que vous, diffamation, c'est pénalement répréhensible. Deux, vous avez voulu soulever les étudiants. C'est que les étudiants qui ne viennent pas à l'école, tout le monde le sait. On dit que j'ai voulu soulever les étudiants. Des gens qui ne viennent pas à l'école. Que j'ai voulu soulever les étudiants. Donc, trouble à l'ordre public. C'était ça la demande d'explication de ce doyen
protégé de Soso. Le recteur qui ne voulait pas partir à la retraite là. Trouble à l'ordre public. Si on m'avait attrapé le Cameroun, on allait me zogotiser avec, au motif trouble à l'ordre public. Pour avoir dénoncé quelque chose. Aujourd'hui, vous, le peuple camerounais, vous m'insultez, vous dites, hein, ma sœur, un petit truc là, tu es parti, tu as fait le truc là. Alors que moi, je veux vous sauver. Vous n'êtes pas capable de vous offusquer. Au contraire, vous êtes content. Et vous voulez sortir de la misère. Vous n'êtes pas sorti de la misère. Pour preuve, votre messie aujourd'hui, votre envoyé de Dieu, c'est quelqu'un en fait qui ne vous aime pas. Puisqu'il est avec le pouvoir là-bas. Il mange avec eux. Il est dans la tribune avec eux. Oh. La difficulté que nous avons, c'est que ce pays-là nous appartient à nous tous. Chacun de nous a une part de sa chair dans ce pays. C'est pour ça que on fait même comment, n'importe quoi, on ne peut même pas abandonner le pays. On ne peut même pas. Richard Bonan dit qu'il est gagné et tout, mais il a agrippé sur les faits divers du Cameroun tous les jours. Parce que c'est son pays. C'est son pays. Juste confisqué par une clique de personnes parmi lesquelles Samuel est fils, qui fait partie de la clique qui a confisqué notre pays. Mais vous l'adorez. Qu'est-ce qu'on peut pour vous sauver? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? Tonton Ben Deka va écouter GMI et bien d'autres sons où il faisait des revendications dans les années 90-91 pendant les villes mortes. Tu étais ou quand Papa Fauchivé l'avait fait fesser. Voilà, moi je dis encore que nous avons un peuple qui est zombifié. Cet argument-là, j'ai déjà, on a déjà tous entendu ça. Ben Deka, il a fait sa part, mais on l'a fouetté. Bon, mais toi, ce que tu dis là, je ne sais pas si toi tu l'as dit, mais les gens comme toi disent maintenant que tu as fui, tu es en exil, tu fuis le combat. Mais écoutez, moi, si j'ai donc fait ma part, je n'ai pas fait ma part. Puisque je combats la mauvaise gouvernance universitaire qui commande tout dans un État depuis 2009. Jusqu'à, on m'a suspendu illégalement. Eux-mêmes, ils ont encore enlevé la suspension, une fausse suspension de l'ancien doyen. Ils ont confisqué mon salaire, ils ont tout fait. Jusqu'à maintenant, ils m'ont cherché pour me tuer. Donc, je n'ai pas fait ma part. Mais pourquoi vous dites que le combat, c'est si je suis en exil? J'ai fait ma part, non? Et encore que je continue à faire ma part. Parce que toutes les dénonciations, vous pensez que ce n'est pas un combat? Le combat ne passe pas aussi par la dénonciation. Ben Deka dénonce alors. Comme on a voulu le faucher, donc il a fait sa part et donc maintenant il doit manger. Puisqu'il mange, vous pensez que son conseil là où on l'a vu chanter en privé pour Baboke et Eto, vous avez dit que bon, il a fait ça en joie, hein. Il n'a même pas eu même un 5000 francs là. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Toi, os Marius, je suis sûr que tu as faim. Je suis sûr que quand ton enfant tombe malade, tu transpires. Je suis sûr. Mais tu es en train de défendre des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Parce que Ben Deka n'a pas les mêmes problèmes que toi. Ben Deka, quand ça ne va pas, il appelle et tout dit. Chantou lui envoie sa part. Vous le savez très bien. Petit pays, même chose, tous ces gens-là. Vous les défendez. Mais vous voulez quel changement? Il n'y aura pas de changement. Je suis désolé.
Fenou dit si c'était pour les bonnes causes, il aurait beaucoup plus de soutien, mais plusieurs n'y croient pas. Enfin, je ne sais pas trop de quoi tu parlais. Docteur, tu es cardiologue. Penses-tu que le serment que tu as prêté, oui, mais ce qui est un organisme qui régit et contrôle les programmes de santé dans le monde peut te demander parce qu'ils sont puissants de faire un mauvais diagnostic de ton patient pour une raison d'état. Bon, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça. Alors, juste son appartement sur Paris coûte le million d'euros. Lexus dit juste son appartement sur Paris coûte le million d'euros. Bon, écoute. Moi, ouais, ce genre de. Je sais pas. Son appartement au Cameroun coûte le million d'euros. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Que nous. Que Eto soit même bien. Supposons même qu'il est milliardaire. Bon, maintenant. Toi, en quoi ça résout tes problèmes? En quoi? Il est même préférable d'avoir un dirigeant donc qui sort de la pauvreté, qui n'a rien, qui connaît la souffrance des gens. Et puis non, parce que si vous avez donc un président qui porte une chaussure de 10 000 euros, et il sait que dès qu'il porte ça, vous allez commenter ça pendant des jours. Et vous oubliez même que vous avez faim. Regarde. Les gars, évoluons. Évoluons, évoluons les gars, évoluons, soyons. Docteur Fekafout, là, personne ne peut gérer ces structures sans des vagues trop. Les communs ne changent pas leur façon d'être. Oui, d'accord. Ben, on veut bien, mais pourquoi il est donc venu nous dire que ben, ça va changer? On va dire que oui, il fait quand même, il fait quand même. Non, écoutez, quand on prend le bilan de manière globale, le bilan n'est pas bon. Il faut reconnaître les choses. Le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Le bilan ne peut pas être bon parce que l'homme n'a pas changé. L'homme, il s'entoure des incompétents et on voit ça même dans la gestion des affaires juridiques. Hein? La Fekafout a perdu tous ses procès. Ne perd que des procès. Et quand on voit même les correspondants, la façon d'écrire, hein? Quand on voit la façon d'écrire, tu es en train de. Tu dis que non, je ne viens pas du tout parce que j'ai deuil. Dans une correspondance administrative, tu viens mettre une raison privée là, que non, j'ai deuil, je m'en vais au deuil. Là, je viens pas vraiment parce que j'ai deuil. C'est quoi ces histoires? Ou alors, tu écris, tu dis que en français facile. Les histoires du quartier. On vous a dit qu'on est encore dans le taper ballon. Donc, votre futur président là, c'est comme ça qu'il va écrire à ses collègues des autres pays. Ouais, peuple, peuple camerounais, ouais, ouais, dis donc. Ouais, vous avez fait, mais je vais pleurer. Hmm? Vous avez fait, je vais pleurer. Bonsoir, Mamou Lise. Hmm? Vous avez fait, je vais pleurer. C'est quoi ça, dis donc? Je pensais qu'on avait un peuple intelligent, des gens qui ont le discernement, mais là, c'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon. Et toi, on n'a que 2 ans là-bas. Regardez-moi Lexus, Lexus. Et toi, on n'a que 2 ans là-bas. Ouais, mbalo, bye. Ouais. Je vous parle encore, je vous parle en doigt là. Je vous parle en doigt là pour que vous compreniez. Hein? Je suis malin à Bignon. Et tout. À Bende, Mbumbao. 2 ans. Et 2. Le mandat du président américain, c'est 4 ans. Mandat. Je pense que les Américains, ce n'est pas les plus bêtes du monde. Ils ont décidé que. Le mandat de président chez eux, c'est 4 ans. Or, chaque président vient avec un programme et il faut réaliser ça. 4 ans. 4 ans. Ce n'est pas la Fédération américaine de football hein, qui est même plus importante que la Fédération camerounaise de football. On parle de la première puissance du monde. On te donne 4 ans. Dans 4 ans, tu dois faire quelque chose. Si tu ramènes ça à l'échelle
de la Fédération Camerounaise de football. C'est un peu comme si on te donne 3 mois. Et encore, un mois. Si tu ramènes en ordre de grandeur, 1 mois. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 mois, on doit voir ce que tu as fait. On voit au moins la tendance. Il n'a que 2 ans. Le raisonnement villageois. Oui, Lexus, je t'aime bien. Mais tu as un raisonnement de villageois. Et Paul Biya et toi savent ça. Ils aiment ce peuple-là. Peuple villageois. Tu vas voir les raisonnements villageois. Il n'a que 2 ans. Encore que ce n'est pas 2 ans. On est déjà 2 ans et demi. Il n'a que 2 ans. Donc en 2 ans, on ne peut pas avoir des résultats. On ne peut rien avoir. Les bro par-ci, les X-Bet par-là, les machins, il n'a que 2 ans. Juste un appartement, je parie, coûte 1 million d'euros. Lexus, s'il te plaît, mène aussi là, quel est ton niveau scolaire? Parce que parfois je suis dur avec vous, mais j'oublie qu'on est dans un forum où il y a tout le monde. Donc on a le droit de ne pas avoir un niveau suffisant pour discerner. Lexus, c'est quoi ton diplôme le plus élevé? C'est quoi ton cursus? C'est quoi ton parcours? Et tu fais quoi actuellement? Mets-nous ça ici là, en commentaire. Parce que là je vais un peu comprendre. Ok. Jules Julius, ouais, voilà, allez, va faire ton sport, Et puis on se voit. Alexandre Lyaponov, le prof, Elimi Lobaya en France, il est toujours là, hein? Il n'est pas reparti au pays. Je pensais qu'il était reparti. Aimé Gourou dit conséquence des 40 ans de pouvoir. Toi, tu dis, mais 40 ans, c'est 42 ans. 42 ans, le gars, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher l'affaire, là. Bon, chers amis, je me résume, parce qu'il y en a peut-être qui ont pris le train en marche. Je me résume pour vous dire ceci. L'entêtement des taux a défié l'État, un État. Mettre le pays en haleine. Braver toute la logique et tout le droit qui veut que on a eu un discours du premier des Camerounais à qui on a confié la gestion du pays, qui a fait un constat que nous tous nous voyons. C'est que le football, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien géré. Il y a trop de problèmes et trop de dépenses. Donc il dit, ministère, reprenez l'affaire. Ce qui veut dire qu'il avait enlevé au ministère ses prérogatives pour donner à la FECAFO. C'est ce que ça veut dire en français facile. Donc, les hautes instructions de M. Paul Biya avaient bénéficié à M. Samuel Eto'o. C'est ce que ça veut dire. Et que maintenant, il lui retire les hautes instructions pour les redonner au ministère. Le ministère s'appuie donc sur non seulement les hautes instructions que nous avons entendues le 10 février en direct de la bouche du papa d'Eto'o. Fort de ces hautes instructions, le ministre nous dit qu'il s'est appuyé sur la convention pour nommer un staff. Eto'o a le macabre de ça. Surtout qu'on lui colle ses ennemis. Il dit qu'il ne veut pas. Il conteste. Le ministre dit, va là-bas. Les hautes instructions sont les hautes instructions. Quand ça te profitait, tu étais content. J'ai serré les fesses. Je me suis fait humilier. Car je suis passé à la CIA TV pour dire que Conseil Sao va rester.
tu es parti chercher les hautes instructions. Et les hautes instructions m'ont dit, tu as la touche, tu es indemne. Alors, c'est ça, oh. Donc, et toi, prends le relais. J'ai serré les fesses. Te connaissant, je savais que tu allais te fracasser. Parce que tu n'as jamais réussi. Le moustachu est resté calme. Eto s'est débrouillé à perdre la confiance du peuple et de son créateur. Avec des histoires à n'en plus finir. Des trucs bizarres. Surtout. Et comme in fine, il n'y avait pas le résultat. Parce qu'on va dire que oh, les autres c'était comment et tout. Oui, à l'époque, il y a Vincent Onana, des Ia Mohamed et machin truc. Il y avait toujours cette gestion approximative de la FECA Foot. Ce n'était pas bon. Il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Les histoires même de des primes de match, des vols retardés et tout, il y avait ça. Mais il y avait les résultats sur le terrain. L'arbre qui cache la forêt. Il y avait les résultats sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Or, il nous a promis de redorer le blason du Cameroun. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais en plus de ça, de ce qu'il y a quand même des scandales, il y a plein de choses, les clubs, grève et tout. Bon, on ne sait pas qui a raison et tout, mais football sans club, ça n'existe pas. Football sans président de club, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te mettre à dos déjà jusqu'à ce que tu nous dis que tu as éliminé, tu as exclu une soixantaine de clubs. Bon, c'est quand même un problème. Mais en plus donc de ce que il y a toujours les problèmes de gestion et il n'y a pas les résultats. Mais en plus, il y a beaucoup de pertes d'argent par des procédures judiciaires qu'on pouvait éviter. Mais les caprices du roi font que. Donc, les hautes institutions ont dit que ben, je te récupère ça, je redonne au moustachu. Et il dit non, 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 non. Il dit qu'il va à la FIFA. La FIFA lui dit que toi-même, tu as cédé tes pouvoirs. Donc, va récupérer ça, mais en négociant. Il dit non, 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 non. Décret, c'est que c'est décret. C'est le décret. Là, la FIFA dit qu'alors qu'il n'a rien dit. Maintenant, les clubs disent que bon, comme toi tu as nommé ton staff, nous on part au tribunal. Ils vont au tribunal, le tribunal des sports du Cameroun, reconnu par la fédération. Ils vont là-bas. Et là-bas, et toi envoie ses avocats pour plaider non coupable. Tu vas plaider non coupable et on dit que non, tu es coupable. Et on te condamne. On suspend ton truc là. Maintenant, tu pleures, tu dis, oh non, d'ailleurs, vous ne devez même pas juger ça, vous, parce que les plaignants, là, ils sont dans l'illégalité. Ils ont introduit ta... Et puis, derrière, ils sont suspendus. Mais pourtant, tu avais déjà plaidé. Et tu n'avais pas plaidé ces deux arguments. Or, le juge, il ne juge que sur la base des mémoires. Vous avez produit une mémoire où vous ne parlez pas de que irrecevabilité. Pour maintenant venir faire comme au quartier, tout ça. Là. Donc, je vous disais que toutes ces gesticulations, ce n'est pas possible que dans l'entourage des taux, que tout le monde soit toto. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a un des membres de l'exécutif qui nous a dit qu'il est le meilleur professeur du Cameroun, le professeur titulaire qui fait que il ne peut pas être quelque part. Et Claude Abbé vient dire qu'il est, professeur. Il est professeur titulaire. Donc, il a la science jusqu'à... Ça sort de partout. Donc, sa science, là, quand on voit les correspondants de la FECA Foot, on voit même la qualité, le contenu, l'approche et tout. On dit, hey, il y a un professeur, là, et le meilleur professeur du Cameroun. Non, c'est pas possible. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la mafia du système qui est en train de fonctionner. Quand vous dites là que
il n'a plus, il met à nu le pouvoir, il fragilise le pouvoir. Non, et toi en train de renforcer le pouvoir, et toi en train de prendre à la vague de contestation démocratique de 2025. Et toi en train de leur prendre une partie de l'électorat, confisquer ça dans sa poche. Cette vague-là, espérant que, bon, comme là, il est fâché avec son papa, il va même se présenter et tout. Donc, il vous met dans la poche. Donc, quand vous êtes là, vous n'entendez même plus le discours et des Camto, et des Cabral, et des je ne sais pas trop qui, des AFP, des RCP, des machins, tout ça. Vous ne suivez même plus pour preuve. Camto fait un discours offensif, il dit que là, maintenant, ça gâte seulement là. À la Sénégalaise en 2025. Personne ne parle même de ça. On n'a pas de ça. Pourtant, la Camto est en train de devenir un opposant sérieux par ce discours. Mais audible, inaudible. Pourtant, il y a là ces ex-supporters, mais qui sont en fond maintenant derrière Eto. Que c'est lui-même le vrai Diomane Faye du Cameroun, que Cabral nous a menti là, que il est Cabral c'est qui d'ailleurs, que déjà même là il n'a même plus de parti. Donc il met les gens dans la poche, il vous détourne, on ne parle plus de l'ECAM, on ne parle plus de rien, on parle que de ça. Oh, le fait de ne pas parler de l'ECAM arrange Paul Biya, non, on le sait, non. Ils ont donc trouvé le moyen de ne plus parler de l'ECAM, de désintéresser même une partie de l'électorat du changement, de désintéresser l'élection. Ils ont trouvé leur messie. Il n'a pas besoin de battre campagne. Il va directement être élu. Sauf qu'à la dernière minute, comme c'est toujours la mafia sicilienne, les enfants de Don Corleone, ou Don Corleone, à la dernière minute, il va venir vous livrer à son papa. Il dit que bon, déjà, mais bon, vous savez, je suis même espagnol là, donc je peux pas me. Bon, mais. Bon, écoutez, je vais quand même vous dire, je vais donner les consignes de vote là. Bon, à la dernière minute, les gens sont déjà déconnectés du discours de soit Camto, soit de, je sais pas trop, qui d'autres, quels sont les candidats qui sont là et tout. Les gens se seront déjà déconnectés, ils ont déjà perdu le fil. On va dire, bon, on va faire comment? Ils vont aller vers Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, on ne peut pas avoir tant de casseroles. On peut le prendre même sur les détournements des fonds publics. Les 2,7 milliards du prêt du Cameroun, ou plein de tout ça, on peut le prendre le main au Niouf. Tu ne peux pas parler comme ça là, alors que tu es un prisonnier ambulant. Si tu n'as pas l'aval de combat. Voilà comment moi, je résume la situation d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour dire que arrêtons de suivre l'affaire là, avec passion, comme on suit ça là. Et toi en train de nous faire. Ok? Voilà. Bon, les amis, je crois qu'on a beaucoup parlé là. Jules Julius, bon, qui est peut-être parti, le bâtonnier maître Yondo Black Mandengue, le père du multipartisme, a été remplacé par Faux, dit à l'aube du multipartisme. Est-ce que tu connais l'importance contre le peuple douala? Attendez, il faut marquer pas comme ça là. Attendez-moi. Hein. Je vais regarder parce que pour faire comme ça là, mon vol. J'espère qu'on n'est pas encore, il est fait déjà là. Ah oui, non, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Mais bon, on a déjà assez causé. Et donc, tu disais.
Le père du multipartisme a été remplacé par Fondi à l'aube du multipartisme. Est-ce que tu connais l'impact contre le peuple douala? C'est quoi l'impact? Je suis certainement parti, mais tu vas me dire, c'est quoi l'impact sur le peuple douala? Le peuple douala subit quoi du remplacement de Yondo Black par Fondi? Je sais pas, je vois qu'il y a eu enfin, un remplacement. C'était un accord de mettre Fondi à l'avant dans cette coalition, parce que c'était une coalition en fait, portée par Fondi. Et puis Yondo Black, effectivement, mais bon, une fois de plus, je dis que pour un peuple sawa, qui est quand même aussi important en termes de population, les vrais leaders d'opinion, soit politique ou la société civile, il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a pas des masses. On sait boire, manger, aller à Paris, Champs-Élysées, et puis on ne fait pas grand-chose. Hein. Voilà. Ouais, Feno dit la cantine faisait peur. Oui, la cantine faisait peur. Mais c'est là où vous entendez donc les doigts là, vous dites que on t'a chassé la cantine. Oui, Benoît, il y a qu'effectivement, nous on a grandi dans la simplicité, voilà. Hein. C'est pas l'histoire de maintenant que un enfant, même Dumkov, son père fait tout pour le mettre dans une grande école, et puis il va à l'école avec les voitures de l'État. Benoît dit que la fin Martinez Zogo n'a pas pris. Alors ils ont créé autre chose, MINSEF, FECAFOOT. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Christian Marcel Simo. Oui, bonsoir, bonsoir Christian. C'est ça que tu vois bien. Buenos tardes. Hola chico. Yo hablo la española. Yo nuevo español naturalizado depuis 5 jours espagnol. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir comment avec mon passeport espagnol, vous allez me dire que je ne peux pas être candidat. On va voir ça. Par le bœuf là. Ils vont au CCA. Et après ils disent que oh, le CCA est partial et tout. Sylvain Cantona me demande, docteur, pour toi, Abdourahman est un ange? Je ne sais pas. Je ne le connais pas plus que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est un ange. Je sais que c'était un homme de main de Iya Mohamed. Moi, j'ai un rapport particulier à Iya Mohamed. Les gens ne le savent pas. Mais j'ai déjà eu à raconter mon anecdote concernant Iya Mohamed. J'ai voyagé avec Iya Mohamed pour partir de Paris à Douala. Lui, il revenait d'une canne. Je crois que c'était peut-être une canne en Tunisie où on avait foiré. Et c'était Schaeffer qui était l'entraîneur du Cameroun. Schaeffer qui a remplacé, je pense que c'est lui qui a remplacé Claude Lechantre. Lechantre qui avait quand même eu un parcours correct avec les Lions. Puisque d'ailleurs, je pense que c'est avec lui qu'on avait gagné
la CAN 2002, si je ne m'abuse. Vous allez peut-être me corriger. Mais le fait est que Schäfer, cet entraîneur allemand qui sortait aussi de nulle part, comme la plupart des gens qu'on prend là et tout, qui nous avait donc sorti une mauvaise prestation à la CAN. Et on était sorti prématurément de cette CAN. Et je voyage avec Ia Mohamed. Nous sommes voisins de siège, voisins. Et je me présente à lui et on se met à discuter. Dans la discussion, je lui pose la question de savoir pourquoi on a botté en touche le chantre pour prendre un entraîneur qui ne convainc pas, dont on n'est pas satisfait. Il y a Mohamed, il est en prison, mais on peut lui rapporter ça. Il y a Mohamed m'a dit tout de go. Non, le chantre, il aimait trop s'occuper de nos affaires, les affaires des Camerounais, de nos affaires et tout. Alors que un chef, quand on fait des tournées, par exemple en Allemagne, il se débrouille à nous trouver l'eau. Des petits trucs là, il se débrouille. C'est-à-dire que Schäfer n'était pas qu'entraîneur, mais il était aussi chercheur de dons pour économiser l'argent normalement budgétisé pour certains choses parmi lesquels l'eau. Parfois, on sait que l'eau, c'est quand même une dépense importante dans le fonctionnement d'un club. Mesdames et messieurs, Parce que les joueurs, entraînement, ils boivent de l'eau. Match, ils boivent de l'eau. Machin, truc, ils boivent de l'eau, ils doivent boire beaucoup d'eau. Donc c'est un sacré budget. Donc apparemment, le chantre, Schäfer, avait ses connexions en Allemagne et tout. Il y avait peut-être des associations et tout qui donnaient de l'eau aux Lions et d'autres gratuitement. Écoutez bien ce que je vous dis. Ia Mohamed m'a dit ça dans l'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, puisque la fédération est perfusée par l'État, donc le ministère des Finances débloque l'argent sur la base du budget établi par la fédération. Que voici un peu le budget pour l'eau, ceci, pour l'eau machin, ils vont mettre peut-être l'eau, je prends un exemple comme ça là, 10 millions pour un tournoi, 10 millions. Chef va leur trouver de l'eau parce qu'en réalité, l'eau là coûte, c'est peut-être 2 millions. Chef va leur trouver de l'eau. Les joueurs vont boire de l'eau. Mais ils ne savent pas, personne ne sait. Et les finances ne savent pas que les 10 millions de l'eau sont partis dans la poche de Ia Mohamed et son entourage. Voilà comment Ia Mohamed, entre autres, volait l'argent du contribuable camerounais. Voilà comment. J'espère que le chantre est vivant. Schäfer, vivant. Interpellez-les. Dites à le chantre que moi, professeur Aimé Bonny, j'ai dit que Ia Mohamed m'a dit qu'on l'a chassé parce que lui, il ne trouvait pas les choses qui permettaient à l'exécutif de la FECAFOOT de détourner de l'argent. Mais que Schäfer le faisait. Ia Mohamed me l'a dit. Abdourahmane était dans le bras droit de Ia Mohamed. Donc Abdourahmane a participé à ce vol. Les hiboux, non, les églisiens qui sont là, je vous donne un scoop. Allez balancer ça. Allez balancer que moi, Aimé Boni, je dis que Abdourahmane, qui se présente donc comme un ange et tout, n'est pas un ange. Puisqu'il voue un respect inébranlable à Ia Mohamed. Ia Mohamed, c'est un voleur. Il a détourné l'argent du contribuable camerounais en changeant même de coach, pas sur la base de la compétence, mais sur la base de la non-participation au vol de l'argent des Camerounais.
Vous avez compris? Églisien, allez dire à votre pasteur que moi, Aimé Bonny, je dis que j'ai voyagé avec Iya Mohamed de son retour de la CAN de Tunisie, où on avait une mauvaise prestation. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi ils ont pris Schaeffer en ne renouvelant pas le chantre. Iya Mohamed m'a dit, les raisons qu'il m'a données ne sont pas des raisons sportives, c'est des raisons extra-sportives, de fémania, de détournement de l'argent du contribuable camerounais. Le chantre mettait son nez dans les affaires des Camerounais au lieu de trouver les sponsorings permettant au patron de Abdourahman de voler l'argent. Vous pensez qu'il y a moi-même mangé ça seul? Abdourahman veut dire qu'il n'a rien pris là. Il n'a pas mangé ça. L'argent de l'eau. Maintenant, allons nous renseigner. Combien il y a Mohamed chiffrait le budget de l'eau? Combien il chiffrait? Puisqu'il dit que Schaeffer leur trouvait ça Ndjor. Et cet argent-là, qui est budgétisé partout là, l'argent est parti où? Il faut que le ministère des Finances nous dise à combien s'élevait le budget de l'eau des Lions Indomptables. Et que cet argent-là soit réclamé à Iya Mohamed et son exécutif. Parce qu'ils avaient la gratuité, pas Schaeffer. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que Abdourahman est sain et tout? Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas s'il est impliqué dans ce détournement du budget des Lions. Tel que Iya Mohamed me l'a dit. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que c'était le patron de la communication de Iya Mohamed. C'était son homme de main, son homme de confiance. Et qu'en général, le patron ne mange pas seul. Voilà. Donc, il faut une réforme profonde. Osmarius me dit, tu te trompes de Bendeka. Sois dans le détail. Je me trompe sur quoi? Je dis ce qu'on a vu. Bendeka passe son temps à aller maintenant et tout dit. À chanter les louanges de ces gens-là. À danser pour eux. À manger leur argent. Enfin, notre argent. Ça, c'est ce que je vois. Je vois rien d'autre. Bon, c'est vrai qu'il va un peu aller vous inscrire. Vous savez, hein? Les artistes ivoiriens ou sénégalais, quand ils sont engagés. Hein. Ils sont engagés. Il n'y a pas de demi-engagé. Il n'y a pas que j'ai fait ma part en 90. Faut chiver ma prix et tout. Donc maintenant, je ne peux plus rien faire. Donc maintenant, manger. Donc, c'est moi ça. Bon, les amis, moi je suis fatigué là. Je vais me reposer, il faut que j'essaie de manger un peu. Et puis j'attends mon vol tranquille. J'ai pas répondu à quoi ici. Donc pour dire au revoir, il faut dire au revoir en espagnol. Hein. Ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Parce qu'il faut que vous habituez déjà à abonner l'espagnol. Sylvain Canton, docteur, chaque défense a sa stratégie. Ben oui. Chaque défense a sa stratégie, hein. Il faut pas croire. Bon, allez. Hasta pronto. Yo quiero. Oh.
moi, mon espagnol, là, je pense qu'il faut que je retourne un peu me former là. Parce que les gars peuvent me retirer leur passeport là comme ça, que mais le type nous a menti qu'il s'est intégré et tout. Mais son espagnol là. Ok, les amis, bon allez, je vous aime bien. On reste en ligne, on reste connecté. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.